Mais écoute, quand on a voulu faire une marche, on a été des dizaines de milliers, donc il n'y a pas de raison. C'est pas eux qui ont gagné. Il faut que ça revienne, s'il vous plaît. Et pour ça, il faut se mettre avec des millions d'hommes. Thomas, il faut relancer. Ah, il va vous laisser. Pardon, j'avais pas vu. Monsieur le député, on peut vous poser une petite question ? Oui. On est tous les deux. Pourquoi c'était important pour vous de marquer le coup aujourd'hui avec cette manifestation ? Ah, parce que c'est à l'appel de Dominique. C'est important, SOS Raciste, d'être présent et de ne pas laisser place à ses idées et de montrer notre totale opposition. De savoir qu'on peut se rassembler et marcher ensemble. 10 jours après ce qui s'est passé à l'Assemblée, il ne faut pas oublier, il faut encore montrer... Il ne faut pas oublier, il faut combattre tous les jours. Ça combat tous les jours. Parce que comme je l'ai expliqué plusieurs fois, ça m'est arrivé il y a 10 jours, mais ça arrive continuellement à plusieurs personnes, à des millions de Français. Donc ce combat, je pense qu'il faut être sur le terrain et il faut le mener tous les jours, encore une fois. Est-ce que depuis ce qui s'est passé, vous avez pu échanger avec ce député du Rassemblement National, tenter de comprendre ce qu'il a voulu dire ? Pas du tout. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui me soutiennent et je m'attarde beaucoup là-dessus. Et avec des gens qui ont déjà vécu ce genre d'épisode, je pense que c'est le plus important en fait, que d'aller voir le coupable pour discuter avec lui. Non, il faut voir aussi les personnes qui sont blessées et qui n'ont pas cette fenêtre médiatique pour pouvoir s'expliquer et le rétorquer. Monsieur Sopo, on peut avoir un petit mot ici, s'il vous plaît ? Oui. Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui d'organiser cette marche ? Bah, nous sommes plusieurs organisations à avoir voulu organiser ce rassemblement, cette marche, tout simplement parce que lorsqu'il y a une expression de racisme qui arrive même jusque dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, c'est que manifestement des limites sont franchies et comme le disait Carlos Bilongo, au-delà de ce que lui a pu subir, c'est aussi symptomatique de ce que des millions de personnes subissent quotidiennement. Et donc il est toujours important de prendre la rue, d'être dans l'espace public pour dire non au racisme, non à ces idéologies de haine dont on voit qu'elles sont malheureusement en plein retour à travers un Rassemblement national qui aujourd'hui pense avoir suffisamment les coudées franches pour exprimer ce genre de propos jusqu'à encore une fois au sein de l'Assemblée. Le RN s'est caché derrière le côté singulier pluriel. Pour vous, dans les deux cas, cette phrase était raciste ? Oui, en fait, ce n'est pas un problème de conjugaison, c'est un problème de racisme auquel on est confronté. Donc, que le RN explique qu'un député français doive retourner en Afrique parce qu'il est noir, ou que le RN explique que des gens qui sont en détresse doivent être refoulés dans la Méditerranée pour qu'ils y coulent, je pense que dans les deux cas, on est dans l'ignominie. Par ailleurs, je tiens à faire remarquer que Grégoire de Fournasse n'est pas une personne totalement inconnue. Quand on regarde ses réseaux sociaux, on voit bien que cet individu est totalement raciste, qu'il passe son temps à expliquer que les Algériens, les Maliens, les immigrés doivent retourner en Afrique. Je rappelle d'ailleurs que ce député devait devenir porte-parole du Rassemblement National et on voit bien que ce parti vraiment n'a pas changé. C'est d'ailleurs dommage qu'il ne soit pas devenu le porte-parole du Rassemblement National parce qu'il exprime vraiment très bien ce qu'est ce parti. Vraiment, vous n'attendez même pas d'excuses, ça va ? J'allais dire d'excuses, mais c'est plutôt à Carlos Bilongo que des excuses devraient être présentées. Mais vous savez, nous sommes quand même sur des gens qui ont très peu d'honneur, sur des gens qui ont un imaginaire raciste. Et on ne voit pas en quoi Grégoire de Fournasse présenterait des excuses. Ce monsieur était un troll sur les réseaux sociaux, il est un troll à l'Assemblée. Il y a une forme de cohérence chez ce personnage très symptomatique finalement de ces progrès de l'extrême droite dans l'espace public qui aujourd'hui essaye de réaffirmer la légitimité d'une parole raciste en essayant avec une certaine gourmandise de faire comme si on ne comprenait pas ce qu'il disait. On comprend très bien ce que ces gens disent. Ils disent qu'il y a un problème dans ce pays avec les Noirs, avec les Arabes. Nous disons que dans ce pays, il y a un problème avec les racistes. Merci beaucoup. Dans un climat délétère, un rythme accéléré dans l'actualité depuis quelques semaines, nous le voyons tous, toutes, c'est l'exploitation politique à l'humanité tout entière.
le racisme.